Salut Ginette, salut Georgette, salut Thérèse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On va voir comment balancer une équation. Okay? Donc, le premier truc, là, tu repères la molécule qui semble la plus complexe, la plus difficile. Okay? Ici, tu as un élément facile. Tu fais ça à la toute fin. Okay? À la fin, c'est facile. Deux éléments, mais hyper. Ici, là, le propane, on a 11 atomes. Ça semble une molécule difficile. Ta molécule difficile, qu'est-ce que tu fais? Tu mets 1 pour l'instant ici. Okay? Ensuite, à partir de la molécule difficile, tu vois qu'il y a 3 carbones. Tu t'arranges pour mettre 3 carbones à droite. Oh, il y a du carbone ici. On met un 3. Par la suite, la molécule difficile, toujours, le point de repère, il y a 8 hydrogènes. Donc, ici, pour faire 8, on multiplie par 4. On a presque terminé. À la toute fin, on va manipuler la molécule qui est facile. Ici, tu as 4 oxygènes. Petit bonhomme sourire. Ouais, ouais. 3 fois 2, 6. Donc, dans tes produits, tu as 10 oxygènes. Donc, il en faut 10 ici. 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc, on a une belle équation de combustion. Une molécule de propane avec 5 molécules d'oxygène donne quoi? Donne 4 molécules de vapeur d'eau avec 3 molécules de CO2. On se voit demain. Ciao!